Salut à tous, c'est Enzo Gomen pour cette vidéo sur Powder Toy. Alors, Powder Toy, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu avec des éléments. Donc voilà. Par exemple, là je peux faire plein de trucs, je peux les effacer. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelques explosions. Alors, bon là je vais dans l'électricité, hop, et ça explose. En fait je vais vous remontrer, ça c'est du plutonium, ça il y a un truc d'électricité là, et après boum ça fait explosion. Donc voilà, on n'est pas obligé de mettre l'alimentation, ça se fait directement. Donc, alors, on va faire quoi d'autre? Wonderful explosion. Ok. Alors, a little bit air. Ok, je dois mettre un petit peu d'air. Pas mal. Ça fait genre un trou noir. En parlant de trou noir, il y en a un. Et voilà, trou noir. Bon, je vais faire recommencer. Je vais mettre du trou noir partout. Et il n'y a rien du tout. One L nuke. Bon alors, qu'est-ce que ça va faire? Ok. Start explosion. Wow. Start explosion. Pour voir la force, je vais mettre de l'iron. En gros, du métal autour. Et attention. Ah, c'est très puissant. Vu que ça a littéralement... Ah, sauf un petit bout, il y a un petit bout qui est resté. Ok, bon, bah je vais prendre de la lave et je vais le tuer. Voilà. Il n'y a plus rien. Sinon, moi j'aime bien aller dans les villes, city, et faire un truc, c'est énorme. C'est trop marrant. Vous me le direz dans les commentaires si c'est marrant. Je mets du virus. Et ça se propage partout. Il faut dire que mes vidéos vont durer sur Powder Toy 5 à 10 minutes. Donc voilà. Alors, et maintenant, je mets de la lave. Et vous allez voir ce que ça fait. Je mets sur pause. J'enlève les flammes. Sinon ça explose le virus. Et c'est pas drôle. Donc voilà. Allez, voilà. Ça le rend liquide. Et maintenant, je mets du savon. Oui, du savon. Ne me demandez pas pourquoi, mais du savon. Et maintenant, ça va nettoyer carrément tout le virus. Donc voilà, les flammes commencent à réapparaître. Vu que la lave a été prise par le virus. Donc voilà. Bon, petite ellipse pour prendre après. Bon, bah là, ça continue. Il reste plus grand chose de la ville. Ouais, plus grand chose. Bon, on attend que ça finisse. Allez, allez. Ouais, j'ai remis le truc là-haut. Parce que je l'avais mis plein de virus aussi. Donc la ville ne ressemble plus qu'à juste des gravats. Voilà ce qu'il y a après un tremblement de terre. Par exemple, si je mets de l'eau. Pour faire style le tsunami. Après, donc. Voilà. Je vais m'amuser un peu, je vais mettre de l'acide.
Comme ça va enlever toute l'eau. La poudre, je sais pas. J'en sais rien du tout. Bon. Je vais la refaire, mais cette fois, je vais mettre... Ah oui, une bombe au deutérium. Alors déjà, c'est pas très résistant le bois, mais quand même, un peu. Donc je vais mettre beaucoup de deutérium. Et maintenant, je vais faire un lâcher de protons. Et avec les protons, normalement, ça fait une énorme explosion. Normalement, si ça veut bien marcher. Voilà. Normalement, ça lâche des milliards de protons. Et ça rase tout. Enfin, ça brûle tout. Donc, après, ça les détruit pas, mais ça brûle tout. Bon. Allez, je vous revois après la fin. Bon, nous revoilà sur la scène de bataille après la bombe. Ça fait pas mal. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand il y a trop de feux d'artifice. On va voir ce que ça fait. Voilà. Trop de feux d'artifice tue. Voilà donc un magnifique feu d'artifice qui a détruit la ville. Bon, moi j'aime bien ça. Ça, c'est un synonyme d'orage. Je vais en faire un géant. Et là, ça détruit tout. Sauf le diamant. Le diamant, c'est incassable. C'est pas possible de le détruire. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous faire lightning. Ça, c'est très fort. C'est pour ça que je fais en toute petite dose. Voilà. Là, ça va être fort. Attention, 3, 2, 1. Et voilà. Ça a détruit au moins 5-6 étages. Et maintenant, une nuée de pluie. Et là, ça consume la ville. Donc maintenant du des mort destruction de bombe. Celle-là est très forte. C'est extrêmement fort. Ça détruit tout. Enfin sauf le diamant, je vous l'ai dit, c'est incassable. Bon allez, on va aller sur une autre ville. Oh, celle-là je l'aime bien. Je mets plein de petites gouttes et ça fait beaucoup de dégâts. Voilà, j'ai détruit leur bouclier incandescent. Bon bah, je vais le redétruire. Et là, ils vont mourir. J'en remets encore, c'est marrant. Allez, je vais faire un truc pour le dernier. Je vais mettre quelque chose de très puissant. Un trou noir. Attention. Voilà, le trou noir aspire tout. C'est un énorme trou noir. Alors là, il n'y a que le diamant qui peut résister à ça.
Et là, bah punaise. Et maintenant, si... Oh, ça fait une tornade! Là. S'il y a une tornade de... en trou noir. Je vais mettre un peu de lave. Ah non, mince. Bon, bah lave. Voilà, de la lave. Et qui est aspirée tout de suite par le trou noir. Et voilà, là on voit le trou noir en forme. Qui a tout gobé. La ville. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous dis salut. Banzai!